So we were talking about what patients want or do not want, if they want shared decision-making robots. So we cannot say it was impossible to have this meeting without the patient's voice. So I'm really happy to present you Jocelyne Domer. She's a colleague, she's a friend, she's a patient representative. She's just a great woman. I'm sure you are going to really appreciate her talk. She's a little bit anxious. She's used to talk, but she's going to talk in French, and we translated, you know, her slides in English. So I will do my best to follow, you know, the slides. I will do my best. Please, we can blow. Bonjour à tous. Donc je me présente, Jocelyne Domer. J'ai durant 45 ans travaillé dans la fonction publique à l'éducation nationale et 30 ans à l'université Claude Bernard Lyon 1, ISPB, faculté de pharmacie, mais au service administratif. Je suis retraitée depuis septembre 2011. Grand-mère de deux petits-enfants. Je suis passionnée de sport, mais surtout de football, que j'ai pratiqué durant ma jeunesse. J'aime l'informatique et je crée des sites web pour des amis ou des proches. En fait, je n'aime pas la monotonie et j'aime rencontrer des gens. Tout commence le 23 janvier 2013 au matin. Je ressens des douleurs au niveau du cou. Et je suis enflé. Elephant Man, ouais. Le lendemain, je passe une échographie cervicale plus poumon, thrombose de la veine jugulaire gauche, avec nombreuses adénopathies. Le 28 janvier, je vois un angiologue. Traitement par anticoagulant, INOEP par injection et préviscan, dosage sanguin, plaquettes deux fois par semaine pendant 10 jours, INR deux fois par semaine pendant 2 mois, et autant de fois que c'est nécessaire. Afin de savoir ce qui a provoqué cette thrombose, je passe un scanner, le 13 février 2013. Conclusion du radiologue. En somme, présence d'une masse de la partie haute du médiastin et de la base du cou d'origine ganglionnaire, vraisemblable de type lymphome. Un avis hématologique semble donc nécessaire pour envisager une ponction. Le 19 février, première consultation avec le professeur Gilles Salles. Le diagnostic le plus probable est celui du lymphome. S'organiser un bilan biologique, un bilan complémentaire d'imagerie et un geste chirurgical afin de prélever un ganglion pour permettre ce diagnostic de certitude au niveau cervical gauche. PEP scan du 25 février 2013. Conclusion, l'examen met en évidence le caractère fortement hypermétabolique de la masse ganglionnaire. La biopsie ganglionnaire cervicale gauche a lieu le 13 mars. Lors de ma visite du 26 mars, le professeur Chilsan n'avait pas encore le compte-rendu opératoire. Donc, il ne peut pas faire de diagnostic sur la catégorie du lymphome. Je dois donc être hospitalisé le 9 avril en vue d'une ponction sous échographie qui sera réalisée le 10 avril. Mais comme j'avais une douleur intense et une jaunisse, ils m'ont gardé à l'hôpital jusqu'au 17 avril. Hôpital Lyon Sud. Dès ce moment, de nombreux examens sont pratiqués. Le 10 avril, la biopsie sous échographie est réalisée. Le résultat transmis le 11 avril est en faveur d'un lymphome B folliculaire à grandes cellules. Enfin, après cette longue période, très longue période, 3 mois, le diagnostic est connu. On va enfin pouvoir mettre un protocole en route. Le traitement sera donc 8 cures de R-CHOP plus ponction lombaire de méthotrexate
toutes les 3 semaines, les ponctions lombaires se feront lors des 4 premières cures. Première cure, le 15 avril 2013. Le 3 mai, je me fais raser, car depuis plusieurs jours, je perds mes cheveux par poignée. Un moment très difficile. Pendant quelques jours, je n'osais pas me regarder dans la glace. Mais de belles perruques existent. Cool, chic, croque, sensuel. La preuve, la voilà. PEP scanner d'évaluation à mi-parcours. Donc le PEP scan de février 2013 et réponse complète scintigraphique en juillet 2013. Tous les ganglions ont disparu. Et là, je pense que je suis guérie. S'il vous plaît, madame. Je pose même la question à savoir si j'arrête la chimiothérapie. Mais comme me dit le professeur Salle, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Le 9 octobre débute le cycle de consolidation dans le code du protocole remarque, lénalidomide ou placebo. En ce qui concerne le contrôle de la thrombose, je poursuis mes injections d'Inoël jusqu'au 30 octobre, date à laquelle elles seront remplacées par de l'aspégixan dans le cadre du protocole remarque. En état de rémission, en novembre 2013, j'ai repris une vie normale. La vie reprend ses droits, mais mon regard sur les choses a changé. Je savoure chaque jour qui passe et me réjouis pleinement des petits bonheurs quotidiens. Et là, je voudrais rajouter que dans les petits bonheurs quotidiens, la soirée d'hier, c'est formidable. Tu peux traduire ? I think everybody understood. No? Jocelyne said she really enjoyed every moment, every day. And yesterday evening, Jocelyne was at the gala dinner and she really enjoyed it. It was fun. Merci. Ce que j'espère aussi, c'est de pouvoir reprendre une activité physique. Pour cela, les séances de kinésithérapie que j'ai suivies durant 1 an, à raison de 2 séances par semaine, m'ont beaucoup aidé. Durant 2 mois, j'ai fait de la balnéothérapie, ensuite des séances de vélo, de tapis, de rameur. Cela m'a permis de réaliser que je pouvais encore faire des exercices physiques. Et moralement, ces séances ont été très importantes. Là, vous avez un petit schéma de mon parcours pendant 2 ans. Donc là, on démarre donc le 23 janvier, puisque c'est là qu'on découvre la thrombose. Le scan le 13 février, ensuite l'hospitalisation, tous les examens qui ont eu lieu pendant l'hospitalisation. Le 15 avril, première chimiothérapie. Le 9 septembre, la dernière chimiothérapie. Le 9 octobre, on démarre le protocole remarque, et en octobre 2015, c'est la fin. À la consultation du 8 octobre, le professeur Gilsal m'autorise à reprendre quelques activités extérieures, d'abord prudemment jusqu'à Noël. Pas de grande surface, pas de piscine, pas de cinéma, mais surtout de pas aller au stade. Puis, de manière plus importante, à partir de janvier, il m'autorise aussi à manger à nouveau de la charcuterie. Et là, c'est le bonheur. D'où la soirée choucroute le 15 novembre, avec Nora, Hans, et d'autres soirées à thème suivront. Il y avait aussi des personnes qui sont dans la salle. Mais surtout, le 16 février 2014, je vais au stade de Germain. J'ai même l'honneur d'être invité dans la tribune présidentielle et de pouvoir rencontrer des joueurs. Après ces moments difficiles, je ne me suis pas inscrite dans le cadre d'une association, même si ce qu'elles font est formidable, mais je ne voulais pas avoir une étiquette. J'essaie de rendre tout ce que l'on m'a donné. J'ai toujours essayé d'avoir le souci de l'autre, et dans cet état d'esprit, je me suis impliquée dans plusieurs programmes de recherche et de formation centré sur le patient, que je vais maintenant vous présenter.
Je m'inscris à des formations, donc une journée de formation, devenir un patient intervenant dans un programme d'éducation thérapeutique, 42 heures éducation thérapeutique du patient, démarche éducative pour l'élaboration d'un programme d'OTP destiné aux patients sous anticancéreux oraux. Aujourd'hui, j'essaie de m'impliquer du mieux possible dans mon rôle de patient expert, patient formateur. Premièrement, participation à des enseignements. J'interviens dans le diplôme d'université pharmacie clinique oncologique à raison de 2 heures en qualité de patient. Ce diplôme est destiné aux pharmaciens hospitaliers, officinaux, industriels, étudiants pharmacie et médecine, 5e année validée. J'interviens également dans l'enseignement facultatif destiné aux 6e année filière officine sur l'amélioration de la prise en charge thérapeutique et éducative des patients traités par anticancéreux oraux. Le but est de jouer le rôle de la patiente qui vient suivre un programme d'éducation thérapeutique du patient. Première séance, élaboration de diagnostic éducatif. 2e séance, gestion des effets indésirables des traitements. 3e séance, mise en place d'un planning thérapeutique. Deuxièmement, participation à un programme de suivi pluridisciplinaire des patients ambulatoires sous anticancéreux oraux. Plateforme oncologique pluridisciplinaire pour les patients ambulatoires sous thérapie antinéoplasique orale, d'où le nom Oncoral, Hospice Civil de Lyon. Participer avec des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, hospitaliers, infirmiers, infirmières, diététiciens, diététiciennes, à des séances d'éducation thérapeutique du patient. Je pourrais intervenir dans les ateliers « Vivre avec ma maladie », « Prendre en charge ma maladie ». Je veux montrer aux malades que l'on peut retrouver une vie normale après un cancer. Personnellement, j'aurais aimé, lorsque je venais à l'hôpital pour les séances de chimiothérapie, rencontrer des patients ayant eu le même traitement. Participation au comité pédagogique de l'école régionale de cancérologie. Elle se matérialise à travers plusieurs initiatives tout au long de l'année pour mettre en valeur le travail des jeunes chercheurs et créer l'émulation au sein des différents cursus de formation au profit de la lutte contre le cancer. Perspective générale, biostatistique et bioinformatique, patient expert, patient formateur, méthodologie en sciences humaines et sociales. Réflexion autour de la formation des infirmières déjà en poste en oncologie avec l'intervention d'un patient. Participation au projet Cancerodome, projet initié par Madame Giovanna Marsico, Catherine Cerizet, Julien Cartier, Damien Dubois, dont pour la plupart sont dans la salle. Merci à vous. Projet porté par 2 associations, AF3M et la plateforme participative Cancer Contribution. Vous avez l'adresse du site. Projet Cancerodome, vivre un cancer à domicile. Inscrire le parcours de soins dans le parcours de vie, renforcer l'accompagnement des personnes malades et de leur entourage. Les objectifs du projet Cancerodome sont les suivants. Identifier les usages en santé et réaffirmer la place centrale de l'expertise des usagers. Faire vivre la démocratie sanitaire représentative et participative en cancérologie. Permettre l'expression des usagers dans l'élaboration du nouveau modèle de prise en charge au domicile. Promouvoir des interventions de modélisation qui pourraient également être mises en œuvre dans les voies de la maladie chronique. Construire ensemble le virage ambulatoire en cancérologie. 10 propositions en cours de discussion pour bâtir une prise en soins à domicile humaine et innovante. Ce projet a été réalisé avec l'étroite collaboration de patients, d'anciens malades, de proches, de professionnels de santé et d'acteurs du territoire au sein de 3 régions, Île-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pour conclure, mon impression, c'est d'avoir eu de la chance, d'avoir travaillé avec des personnes du milieu de la santé. Mes collègues m'ont aidé pour obtenir rapidement un rendez-vous avec le professeur Ginsal, d'avoir le soutien sans faille de mes proches, de mes amis, des étudiants, d'avoir eu un encadrement médical performant et humain, mais je reconnais que tout le monde n'a pas cette chance. Et aujourd'hui, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Par exemple, l'annonce de la maladie aux patients. Pour moi, j'ai appris que j'avais sûrement un lymphome sur le parking de la clinique où j'ai fait mon PET scan. Car dans l'enveloppe que m'avait remis la secrétaire du radiologue, pour mon médecin, n'était pas cachetée. Si elle avait été cachetée, je ne l'aurais pas ouverte. Ne sachant pas ce qu'était un lymphome, j'ai tout de suite regardé sur Internet en rentrant à la maison et là, lymphome égale cancer. Dès cet instant, vous savez que le cours de votre vie va changer. Pour l'annonce, je pense qu'il faut que le médecin prenne le temps pour expliquer la maladie, qu'il faut utiliser des mots simples et être à l'écoute du patient et de ses proches s'ils sont présents. Il faut un climat de confiance entre le patient et le médecin. Si le patient est seul, peut-être prévoir un autre entretien avec les proches si le patient souhaite leur révéler, bien sûr, le diagnostic. Car dès cet instant, les proches se retrouvent dans l'univers de la maladie. Pour le suivi, je pense qu'à notre époque, avec les outils informatiques et les réseaux sociaux, il serait possible de pouvoir mieux articuler les liens entre tous les professionnels de santé à l'hôpital et ou en ville. Médecins, infirmiers, pharmaciens, diététiciennes, kinésithérapeutes, assistantes sociales et d'autres, et avec les patients et leurs proches. Une meilleure coordination sur l'information entre les professionnels de santé pourrait permettre une meilleure connaissance et prise en charge de la maladie. Malgré tout ce qui reste à faire, je garde espoir. Le fait d'intégrer des patients qui n'ont pas de problème à parler de leur maladie dans des enseignements, dans des programmes de recherche, dans des groupes de réflexion est très positif et très enrichissant. Dans l'éducation thérapeutique, patients et soignants s'enrichissent de leur expérience. C'est dans cette perspective que je m'inscris aujourd'hui. Merci pour votre attention. We have 2 minutes for questions or comments, or if you have. Un commentaire? Yes. I didn't see any. Juste un comment en français, parce que je trouve que c'est génial que vous faites et que c'est pour vous peut-être pas gagner la guerre, mais gagner le match, non? Et que je trouve que c'est qu'il faut plus de patients comme vous qui font ce travail et qui aident les docteurs à les involver dans les décisions. Merci beaucoup. Merci. I just said it was fantastic and that it wasn't about winning the war but winning the match for her. And that we need more patients like her to help have doctors involve patients more. Thank you, Anne, for this comment. So we are just a little bit late. I invite you to go to the parallel sessions and thank you and have a nice day.